Hello la famille, hello les amis, les warriors de Fali et Poupa. J'espère que vous allez bien. Merci à tout le monde. Merci Nabatounian Sobor s'abonner. La Warrior Forever Officiel TV. Je vous remercie. Si c'est pour toi la première fois d'être sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner. N'hésite pas de liker. N'hésite pas de partager votre chaîne YouTube. Likez la vidéo, partagez et puis active la cloche des notifications. Je vais justement vous signaler un truc. La plupart, ces derniers temps, sont le non-abonnés qui regardent plus mes vidéos. Et ces non-abonnés, vraiment, je vous dis, s'il vous plaît, de vous abonner sur ma chaîne. C'est que c'est, je fais, si ça vous plaît, n'oublie pas de vous abonner parce que c'est très important. Aujourd'hui, je viens de vous parler de Gims qui valide les concerts de Fali Ipupa. Une autre histoire qui fait le buzz sur la toile. Beaucoup les internautes se demandent, se posent des questions. Ces derniers temps, tout moment, Gims valide Fali. S'il y a un problème, Gims est là pour défendre. Bazoué Bassou, relation à Fali na Gims T. Moi, je viens vous dire que Gims et Fali sont frère et grand frère. Et Fali est le grand frère de Dadju et Gims. Et surtout, Dadju, vraiment, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont vraiment du respect, c'est réciproque entre eux. Vous savez pourquoi Gims, à tout moment, il valide. Gims, il voit Fali de l'Afrique, traverser des frontières, venir jusqu'en France. Faire sa musique, c'est pas facile, hein. Venir s'imposer. Dans un pays où Gims est venu, Tamaza Kimwana Mouké à s'imposer. Gims s'est dit, si peut-être il était toujours au Congo, est-ce que Agnaki Azalande Azalelon en France? Aujourd'hui, les Congolais sont complexés de Gims parce qu'il a évolué en France. Mais ils n'aiment pas Fali parce que Fali vient du Congo et il ramène sa musique en France. Mais Gims voit là ce grand monsieur qui est Fali Ipupa Aigle, son grand frère, qui perce bien, qui a traversé de frontières pour qu'il aille à l'élo jusqu'en France, que ça, la musique, oh, peut-être, bah, comment qu'on y a au plus, et ça facilité. Et quand Gims vous répond, c'est le langage diplomatique. Parce que beaucoup de Congolais, beaucoup de fans révoltés, pour, il fallait que Gims soit vraiment le meilleur rival de Fali, mais ils ne comprennent pas comment est-ce que Gims défend Fali à tout moment. Il y a eu à faire autotune, les fans. Dans l'affaire autotune, Gims a fait exprès de répondre à cette question et il a fait exprès pour éteindre le feu. Pendant un mois, le buzz a continué pour parler de l'autotune et vous avez vu la réponse de Gims. Et depuis que Gims avait répondu, et tout le monde s'est été. Personne n'en parle. Deuxièmement, Gims et Fali, ils s'est rencontrés à une fête. Gims a filmé Fali, il a snappé avec Fali pour montrer qu'il est aigle. Malgré... lui, il est Gims, mais Fali, s'il est Fali, s'il est aujourd'hui Gims, c'est grâce peut-être à Fali, parce qu'il voit même Fali, il fait la musique, et Gims, ça se voit qu'il Gouana. Alors, il dit, non, on doit percer la musique, et Simba, Dadju, maman, il y a des Naza, d'abord, qui témoignent. Fali appelle ça Bangwe Lengi. Alors, il y a encore eu un autre buzz. Gims a posé sa photo sur son compte Instagram. Allez, le fan révolté sont partis faire quoi, les amis? Commenter que Gims, Dadju et Fali a pris la spiritualité, spiritualité de Gims, de Dadju. La réponse de Gims est à la Kinin. Qui a déjà vendu son âme au diable pour avoir du succès? Et pourquoi l'Afrique est pauvre jusqu'à aujourd'hui si vous croyez aux spiritualités? Pour vous dire que le succès, c'est le travail. Aujourd'hui, si Fali, il perd, c'est parce qu'il travaille. Et vous devez le comprendre, c'est parce qu'il travaille. Gims même a snappé avec Fali pour vous montrer qu'il est aigle. Il perce, il a traversé les frontières pour venir s'imposer en France. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de le faire. Alors, à tout moment, Gims est là pour défendre son grand frère parce qu'il fait bien sa musique. Il défend valablement la RDC Congo comme Dadju, comme Gims. Alors, pourquoi vous vous demandez, vous vous posez des questions, vous faites de baisse, vous voulez que Gims soit le meilleur rival de Fali alors qu'il ne le veut pas? Parce qu'il veut être soudé avec son grand frère. C'est ça l'importance. Nous voulons... et la solidarité dans la musique congolaise et non de polémique à deux balles. Parce que, et comme ma musicienne a nulle part.
Et la dernière réponse, et vous devez être là parce que Gims a validé les concerts de Fally à Bercy. Encore un fan révolté qui demande à Gims comment tu trouvais les concerts de Fally Ipupa. Et il a répondu vraiment impeccable. C'était très bien, c'était bien, je valide. Et voilà, après quelques minutes, Gims avait supprimé ça parce qu'il n'a pas voulu que ça puisse faire le buzz. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui avaient pris des captures et ça fait le buzz. Et voilà pourquoi, pour vous dire, Gims répond, le Congolais, dans un langage codé, mon peuple périt par manque de connaissances. Si c'est pour toi la première fois d'être sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo, partager. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour rien rater de nos actualités sur l'artiste Fally Ipupa ou rien. Je vous dis merci, bisous à tout le monde. À la prochaine vidéo. Bye bye, bisous. Très très lourd, très très lourd. On attend le sang là. Obim, sang haut.